montrer comment faire Sennel Art. Donc c'est un watermelon bowl. J'ai utilisé trois couleurs. J'ai utilisé le bikini de chez Essie, le Mojito Madness de chez Essie également, et j'ai utilisé le blanc de chez Jordana. Donc on va commencer par le bleu, on va mettre 2 gouttes. On met 1 goutte de blanc. Donc en fin de compte, entre chaque couleur, on met juste 1 fois du blanc, mais les couleurs, on en met 2 fois. On va finir avec 2 gouttes de bleu et on va pouvoir faire notre dessin. Donc pour le dessin, on prend un cure-dent et on commence à dessiner le motif. On essuie son cure-dent à chaque fois. Et voilà. Donc comme à chaque fois, dans chaque water marble que je fais, je vous l'ai montré, on met une couche de blanc sur l'ongle et ensuite on protège son doigt avec du scotch. Donc là, le dessin est créé dans le vernis. On va pouvoir tremper son ongle. Voilà, et on ramasse l'excédent de vernis tout autour. Donc voilà, il ne reste plus qui a enlevé le scotch. Donc voilà le résultat final. Donc on va attendre un petit peu que ça sèche parce que par-dessus je passe une couche de vernis pailleté pour faire quelque chose, vous voyez, d'un petit peu plus, été, qui fait un petit peu plus sucré. Donc maintenant le water marble a séché, il nous reste à mettre une couche de vernis pailleté. C'est le numéro 469 de Wet n Wild. C'est Hallucination, c'est celui-ci.
Donc c'est des petites paillettes multicolores. Voilà. Donc ce nœud-là est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Il vous reste plus qu'à mettre une couche de top coat et je vous dis à bientôt.